ثاني رالي يحط رحالة في جهة المونستير. الرالي هذي عندما زوز كانت المرحلة الأخيرة متاعهم جهة المونستير حيث نعديو إقامة بليلة بالجهة. هذا الكل في إطار إنعاش ورجوع السياحة الرياضية وسياحة الراليات اللي تعرفت بها تونس. هذا كل رجوع بعد اللي صار مع الكورونا والإبيديمية اللي صارت بتاع الكورونا. إن شاء الله هذا معناتها قطرة من غيث إن شاء الله معناتها بتوفر جهود الناس الكل. وإذا بالنسبة لنا نحن كان البرنامج هذايا في إطار معناتها كما قلنا السياحة الرياضية والرالي معناتها من بإشراف وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة اللي هم معناتها قائمين بدورهم في إطار باش نرجعوا الفعاليات هذوما لتونس. عملنا بريسك 2500 كيلومتر، ايزيتاب الكل صعاب يتعدى من راليات الكبار بعد دكار. شسوي أنا فيغيروا، شسوي لا ريسبونسابل ديال تيم اكستريم بلوس بولاريس. سوم كونتانت ديتري اون تونيسي. Après, la course s'est passée très bien. C'était dur aussi, une course de beaucoup de navigation aussi, mais quand même, c'est très amusant. My name is Willem Meijer. I'm from the Netherlands. Yeah, this is a nice country. We did a good rally, and looking forward to the next one. Je suis Checco Tonetti. Je viens d'Italie. J'ai fait beaucoup de courses dans le désert, de Dakar et plusieurs courses en Tunisie. Je veux dire que cette course c'est magnifique. Là, nous sommes allés dans des endroits magnifiques aux alentours de Xargilan, El Gourmand, Star Wars. Il y avait la course était bien balancée entre. C'était dur mais possible. Alors je pense que c'est magnifique, magnifiquement organisé. Le bivouac c'était très convivial. La nourriture c'était magnifique, toute l'organisation c'était vraiment bien. Et le niveau des participants c'est très haut. Geert Cuzon, organisateur belge de la première édition du Tunisia Desert Challenge. J'organise depuis des années un grand rallye au Maroc, le deuxième après le Dakar. Et maintenant il nous fallait une nouvelle destination. Comme on a un peu d'expérience en Tunisie, on a décidé d'organiser le nouveau rallye sur la Tunisie, sur le territoire tunisien. Pourquoi la Tunisie? Parce que c'est très simple. Vous avez un terrain de jeu exceptionnel. Et il faut savoir que la Tunisie avait à l'époque un grand héritage de rallye raid. À l'époque, il y avait le rallye de Tunisie, l'Optique 2000 et tout ça. Donc la Tunisie était un peu le berceau du rallye raid. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de le faire ici. Bon, maintenant, on est à Monastir, c'est la fin du rallye. Et je pense que je peux parler de moi, mon organisation et les 460 personnes de 25 nationalités qui étaient ici, que ça a été une expérience magnifique. On a passé 7-8 jours dans le désert tunisien. Les organisateurs sont de Belgique, de Belges. Ils ont fait un mix entre la cuisine tunisienne et la cuisine européenne, nord-européenne. Mais c'était exceptionnellement bien. De notre côté, oui, c'était bien organisé, mais je veux aussi remercier les autorités, surtout le ministère de Tourisme, parce qu'eux, ils m'ont déroulé le tapis rouge depuis le début. On s'est trouvé très, très bien à Kouil. C'est sûr et certain que l'année prochaine, on sera de retour avec minimum 1000 personnes. Hein. On va doubler, ça c'est garanti. Le couscous avec beaucoup de choses, avec de la viande, montant, je pense, avec de la réserve. Abbiamo passato molto bello.